dans cette affaire était de savoir si l'urgence était retenue. C'est ce que réclamait Mme Boiteux. L'urgence de traiter des deux arrêtés qui avaient été pris par le gouvernement et par moi-même. Donc, sur l'urgence. Alors, sur l'urgence, y a-t-il un problème de droit, hein, c'est l'éternelle question. Là, le problème de droit se résume à des problèmes de fait très particuliers et des faits très matériels. Il est dit d'abord, parce que c'est bien ça qu'on comprend à la lecture, c'est qu'il y a l'urgence, oui, parce que Mme Boiteux est dans une situation où elle ne peut pas payer ses impôts. C'est ça qui manifeste de l'urgence. Il y a donc une urgence à traiter de son affaire et donc par conséquent à annuler cet arrêté parce que, fait matériel, Mme Boiteux ne peut pas payer ses impôts. Vous avez le barème des salaires du conservateur, c'est-à-dire de Mme Boiteux, de 2003 à 2012. Le salaire du conservateur, hein. Vous le verrez en 2012, il y en a pour 29 millions et quelques, quasiment 30. 29 millions, hein. Parce que vous savez, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit dans le journal, mais il s'est trompé, le journaliste des nouvelles, il a mis 30 millions, ça ne peut pas être 30 millions, c'est 3 millions. J'ai dit non, c'est bien 30 millions. Non, mais ce matin, quelqu'un m'a dit, il s'est trompé. Le monsieur des nouvelles, il a dit 3 millions. Non. Il m'a dit non, ça ne peut pas être 30 millions quand même, non. Mais si, si, c'est bien 30 millions, oui. Donc, je rappelle que son salaire a été réduit, Mme Boiteux, suite aux sanctions, mais la première réduction est due au mois d'août 2013. Et on parle de quoi? On parle de son solde qu'elle a à payer, c'est-à-dire de ses impôts 2012. Ils ont été perçus. Elle a perçu ses rémunérations en 2012. Donc deux rémunérations, celle que vous avez sous le nez, 30 millions, et puis une deuxième rémunération en tant que directrice des services fiscaux. Donc je peux vous dire, et vous pourrez l'encadrer, le souligner, que ça, nulle part ailleurs sur la planète. En tout cas, j'ai mis tous les juristes de la Nouvelle-Calédonie à chercher. Ils ont tout regardé, passé au peigne fin de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Jamais un tribunal administratif en métropole, en outre-mer, etc., a assis une décision à partir de la soi-disant impossibilité d'un individu à payer ses impôts. Jamais ça existe. Jamais, jamais, jamais. Une grande première en Nouvelle-Calédonie. Deuxième élément l'urgence. Deuxième élément, c'est la santé. La santé de Mme Boiteux, qui est une santé nouvelle, hein, parce que jusqu'à présent, elle avait une bonne santé. D'ailleurs, elle parlait même quand on lui demandait de ne pas prendre la parole. Donc, il faut vous dire que c'est une bonne santé. Hein. Ouais. Deuxième élément, la santé. Alors, sa santé fait que, il y a une urgence à traiter son affaire. Et que donc, par conséquent, il faut annuler cet arrêté. Mais une fois qu'on a dit ça, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fonctionnaire qui va être sanctionné, et sur le millier de fonctionnaires, évidemment, c'est comme dans toutes les professions, il y en a qui sont sanctionnés, il dira au TA, il dira, monsieur le Président, je suis malade. Donc, comme je suis malade, vous ne pouvez pas m'attribuer de sanction. Donc, quand le tribunal analyse ces deux arrêtés, il vient dire qu'ils ne sont pas valables. Alors, moi, je m'attendais à un élément de droit. Je suis toujours trompé. Le droit est compliqué. Est-ce qu'on s'était trompé dans la procédure? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire? Est-ce que non? Donc, le tribunal consiste à dire que c'est une erreur manifeste d'appréciation. Laquelle, vous ne pouvez pas le savoir. Une erreur manifeste d'appréciation. De tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces conditions-là, je ne vois pas comment on peut faire fonctionner la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Parce que tout fonctionnaire qui sera désormais sanctionné, après le conseil de discipline, il ira devant le tribunal administratif et il demandera évidemment la même chose. Et je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions-là, on lui dirait oui. On lui dirait non. Je ne vois pas pourquoi on lui dirait non. Donc voilà où on en est. Donc moi, franchement, je me demande comment, de nos jours et pour l'avenir, on pourra gérer la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. Alors quand je dis la Nouvelle-Calédonie, évidemment, vous comprenez bien, c'est les provinces, les communes, etc. Donc moi, je trouve que c'est une situation particulièrement grave.
Et c'est une situation qui ne peut pas rester en l'état. Alors évidemment, nous allons faire appel, évidemment. Mais au-delà de ça, moi je vais, avec le beau dossier que j'ai désormais, je vais aller voir le haut commissaire pour voir ce que nous allons faire. Parce que je considère qu'aujourd'hui, lui comme moi, on va connaître de grandes difficultés dans la gestion des hommes et des femmes de ce pays, bien entendu. Je vais lui demander aussi de porter à connaissance du gouvernement de la France ces éléments. Par ailleurs, je vais écrire et je vais envoyer les éléments du dossier à la commission des lois, qui est venue dernièrement sur le territoire, parce que cette commission des lois est en train de travailler sur la loi organique et elle se pose un certain nombre de questions. Et je lui dirai, ben, il faut régler un certain nombre de questions, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, à la lueur de ce jugement, on voit bien que le gouvernement ne pourra plus, en Nouvelle-Calédonie, changer de directeur.